Allez, salut à tous, c'est Mister696. On se retrouve pour un nouvel épisode de Comment bien débuter sur Feed the Beast. La dernière fois, j'avais eu quelques petits problèmes niveau machine, puisque ça a pas mal changé et liquide transposeur est complètement différent et il devient vraiment compliqué à utiliser. Et c'est pas pour nous pour l'instant, donc on laisse ça de côté, même parce que là il manque plein de trucs qu'il faut mettre autour, donc. Faut juste qu'on avance plus dans la série pour le faire. Donc, l'autre manière pour avoir les silicone cells, c'est ce qu'on cherchait, c'est de faire un industrial centrifuge comme ceci. C'est pas trop dur, donc un extracteur 4 raffinés d'iron et ensuite soit enfin ouais, voilà, deux advanced circuits et deux advanced machine blocks ici. Donc c'est à peu près comme bah, au final comme ça je crois, non je suis comme là, je sais plus quelle machine ça ressemble, mais voilà. Donc je l'ai posé là puisque c'est une machine qui marche à cette énergie là et donc j'ai déjà fait tourner un peu pour comme ça on peut déjà directement le voir. Et j'ai mis ici l'industrial blast furnace qui est aussi de cette énergie, donc il faut juste mettre de la redstone là au milieu, des un petit sel ici et ensuite ça vous sort ces quatre choses. Donc pour l'instant on va juste récupérer ça pour les mettre ici. Ensuite, alors, tac, qu'est-ce que je voulais faire? Voilà, il faut juste que je recherche ça, voilà. Sinon, on laisse ça tourner, et parce que pour l'instant, on n'a pas besoin de panneaux solaires pour aller faire ce qu'on veut faire. Donc, je vous avais prévu pour la dernière fois, c'est-à-dire commencer l'histoire des coffres un peu à trier. Donc, vous vous rappelez, j'avais déjà commencé. Donc, pas mal de choses. Ouais, quand même pas mal de choses. Donc, d'abord, vous voyez ici. Donc, à chaque sortie de coffre et de machine, pour pouvoir être aspiré, il faut mettre un wooden transport pipe. Enfin, un tube de transport en bois. Alors, soit vous mettez un electrical engine que j'ai pas là. Comme ceci. Avec la même utilisation qui sort comme ceci, ouais, tout simplement, et relié à de l'énergie comme là-bas, donc basique. Sinon, tout simplement, enfin, c'est plus simple, je trouve, c'est les Redstone Engine. Donc, je vous montre comment ça se craque, je vous avais pas montré la dernière fois. Redstone Engine, voilà, il est là. Donc, c'est vraiment pas trop dur, hein. C'est presque la même chose. Donc, c'est trois planches, un piston de boulons de bois et un verre. Voilà, donc c'est pas trop dur et ça marche sans énergie. Il faut juste à vous mettre une sorte une source de courant redstone à côté. Donc vous voyez que là ça marche et qu'il y a déjà quelque chose qui est sorti. Je vais même l'arrêter parce que il faut pas. Donc il faudra l'allumer en tout dernier. C'est ah oui c'est là. Ok hop. Donc on va juste reposer ce qu'on a mis. Donc je vous rappelle que les Golden, ça sert à accélérer le mouvement, donc sans problème. Et mais sinon, on va, on peut aussi normalement faire ça. Donc c'est une gate. Comment on fait ça? On met un autarchique, voilà, ça, on met ça comme ingrédient dans l'assembly table. Donc au lieu de mettre de la résine pour avoir ça, vous mettez ça à la place et vous pouvez avoir ça en plus. Et on peut mettre ça ici directement et normalement ça pompe tout seul. Mais je préfère pas parce que je préfère tout simplement le mettre comme ça parce que c'est plus je trouve ça plus rentable, donc c'est mieux comme ça. Ensuite, donc déjà j'ai pu trier tout ce qui allait n'avait aucun traitement à être fait. Donc vous pouvez voir ici que ça arrive dans le premier Diamond Pipes, donc avec tous les coffres ici, voilà. Donc c'est cela. Donc j'ai tout fait partir sur la gauche, donc c'est-à-dire dans le vert. Donc dans le vert j'ai mis déjà tout cela, mais il m'en manquait de la place, donc j'ai envoyé juste en dessous. Donc sur le noir j'ai envoyé tous les autres et ensuite en bas sur le sur celui-là. Ouais, en fait attendez, je peux même le récupérer. Pourquoi j'en ai mis un? J'avais prévu de faire autre chose, je crois. Voilà, donc je peux tout simplement être comme ça, donc dans le noir, et ensuite ça remonte par ici, obligatoirement dans le vert là.
ça pourra pas revenir, puisque ce qui est passé par en bas, ce n'est pas ce qui passe dans le vert, donc ça peut pas revenir. Donc ça sera soit obligé de passer là, mais dans le vert ici, il y a autre chose également, et donc ça sera obligé de passer par ici. Et ensuite ici, il y a tous les triages. Les items arrivent ici, ils arrivent dans le premier, ils voient que dans tous les bleus, donc chaque fois c'est les bleus hein, pour ranger dans les coffres. Donc c'est dans tous les bleus. S'ils passent pas, ben soit ils passent par en haut, soit ils passent par là, mais de toute façon, en fait je vais pouvoir mettre un truc sur le rouge, comme ça je suis sûr qu'ils viennent pas, et au pire ils feront plusieurs fois le tour jusqu'à trouver. Ça peut être très bien faire 5 fois le tour, par exemple faire comme ça, comme ça, comme ça, remonter, venir à la fin exactement. Si par exemple c'est ceux-là, ils peuvent très bien ne pas venir ici pendant un petit moment. Mais également, donc ici aussi, parce que je n'avais toujours pas assez de place sur la ligne du bas, donc j'ai dû faire pareil par en haut. Également ici, tout ce qui est diamant et tout que je mets dans les barrels, qu'on pourra bientôt améliorer. Et j'ai mis aussi deux charbons, donc un sur celui qui va ranger là-bas et un autre qui va pour partir dans les machines, puisque j'aimerais récupérer directement des carbon plates. Donc il faut que je les mette dans le macérateur pour avoir de la poudre. Ouais, enfin, de toute façon, il me faut de la poudre. Voilà, c'est juste pour faire de la poudre. Pour après, pouvoir faire des carbon plates. Donc c'est pour ça qu'il y a la moitié. Et donc, vous allez croire qu'il va pas savoir dans quel aller, mais en fait, il se départage 50-50. Donc normalement, si vous avez un. Si c'est genre 4 trucs, il y a peut-être des chances que ça travaille. Enfin, 4 charbons, il y a des chances peut-être qu'il y ait 3 et 1. Mais si vous en avez genre 50, c'est presque sûr. Ensuite ici, donc ça va monter ici pour séparer tous ceux qui vont aller dans l'électrochimique furnace, dans le macérateur qui est là et dans le compresseur. Donc j'ai déjà à peu près tout fait. Donc dans le blanc, ça sera pour compresseur directement. Dans le jaune, ça sera pour le macérateur, donc la majorité. Et dans le rouge, ça sera pour l'électronique furnace. Donc on va déjà faire le rouge, parce que pour moi, je trouve que c'est le. Enfin, l'électronique furnace, c'est pour les plus faciles. Donc ce qu'on met dedans, c'est du cinnabar, on doit en mettre, donc on prend chaque fois un, enfin ouais, on va prendre, ouais, on en prend hein. Chaque fois un, ça suffit. L'aluminium aussi, on doit le mettre puisqu'il peut pas aller dans le macérator. Et également le lead. Hop, oh, je suis en train de galérer là. Hop, voilà. Et le silver, non, ça se met, ça se met, ça se met, ça se met, ça se met tout le reste après, ça se met pour l'instant. Le ferrous aussi, si je dis pas de bêtises, ouais, si je l'utilise pas souvent, mais normalement c'est ça. Et le tungstène, on peut rien faire avec, enfà on peut pas le transformer. Je pourrais aller là, du reste, faut que je puisse le ranger. Et sinon, attendez, il y aura aussi ça qu'il faudra que je trie pour qu'ils aillent, eux, d'aller dans le compresseur pour avoir directement ça, parce que sous ce format là, ça ne sert strictement à rien. Et ouais, après, l'utonium c'est super rare, j'en ai pas là. Et sinon, ça c'est le lead. Ouais, voilà, après c'est tout bon. Il faudra aussi que je fasse avec le fer la moitié qui se re retourne dans le masser, dans l'électronique vernier, c'est l'autre partie qui. Enfin, une autre partie ouais, qui se recuit dès qu'il est en lingot. Et une autre partie qui va directement ranger pour avoir les deux. Donc dans le rouge, on met un de chaque, comme ça ils iront directement. Dans l'électronique furnace. Ensuite, j'ai fait des hoppers. Donc ceci, ça se craft facilement, comme ceci. Ceci sert à pas mal de choses. Enfin, non pas mal de choses, mais sert énormément. Donc, pourquoi il y a ça là? Donc, il faut les mettre en haut. Attendez, on va enlever tout ça, on va descendre tout ce qu'il faut. Voilà, ça et ça. Donc il sert à stocker un peu des. À stocker des. Bah des. Ouf, ouais, j'arrive pas à m'exprimer là. Et moi, je sais pas ce que j'ai. On va juste poser ça comme ça parce que c'est un peu dur à les poser. Donc je vous explique ça juste après parce que là. Voilà. 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 C'est tout bon comme ça.
Donc ça sert s'il y a trop de trafic d'items, donc ils vont rentrer là-dedans, ils vont se stocker là-dedans, genre donc 4 sacs chaque fois. S'il y a vraiment trop qui de tout ce qu'il y a là, ça va se stocker là-dedans. Donc en fait avec ça, ça va pas jouer ce que j'avais préparé. Donc ici directement ça on peut l'enlever pour l'instant, c'est pas spécialement important. On le mettra peut-être après, mais je pense pas qu'il spécialement besoin. Donc après ça va directement descendre ici, ça va aller dans l'Electronic Furnace où il faut que je mette quelque chose ici. Non, il fallait pas un truc qui puisse se cuire. Ok, bon parfait, c'est pas. Alors un truc qui peut pas se cuire, voilà. Comme ceci, comme ça au moins ils se mettent pas ici, sinon ils restent bloqués ici. Et ensuite, pareil que qu'avant, on va se faire un petit levier. Ça, on peut avoir ce qu'il nous faut. Donc pour pouvoir retirer du macérator ce qu'il nous faut. Ah bah parfait, en fait, il y en a déjà juste à côté. Voilà. Il tourne déjà. Parfait. Alors, donc là ça va ressortir ici, donc tout ce qui est cinnabar et tout. Et il faut qu'on les range dans ces coffres qui sont. Alors, ici. Non, c'est pas ici. Ouais, c'est ici. Ok. Donc, je peux ranger ça. Tous les ceux que j'ai pris là, puisqu'ils n'ont rien d'autre à faire que ça. Donc, c'est un petit chemin assez facile. Donc, il me faut un truc d'alu. Un de cinnabar, donc c'est des quicksilver, et un de comme ça, et ça faudra que je le fasse après. Il en manque un du lead aussi, voilà. Pardon, voilà un petit lead, voilà. Donc ils vont ressortir ici et il faut qu'ils arrivent là-bas. Donc c'est pas trop dur. Donc déjà il y en a une grosse partie qui va devoir venir par ici. Enfin, on va les faire arriver ici sans problème. Il faut juste que on les mette ici pour le lead. Donc le lead sur le bleu. Voilà, comme ça c'est lui qui a passé. Là, ouais, il faut juste mettre quelque chose sur le bleu, c'est-à-dire. Ouais, du silver, je les mets tous aussi. Donc tout ce qui est silver et tin, il faut tout mettre les différents, sinon ça ne passe pas. Ouais, donc je disais qu'il faut qu'on aille jusque là-bas. On va en faire passer un. Bon, vous savez quoi, on va en faire passer. Il faut qu'on les rejoigne les deux là avec un en diamant entre les deux pour pouvoir séparer. Ensuite on doit repartir donc de là. Et ensuite venir. Pourquoi il y a ça? Je ne sais pas. Toi, c'est de rester là. Hop. Et bon, après, ça peut devenir très rapidement le bordel. Puisque après, il peut y avoir des câbles partout. J'ai parlé de la couleur vert pour le lead. Et également, bah, le reste, ça va aller dans le jaune. Pour l'instant, en fait, on va mettre comme ça, on est sûr qu'il n'y a rien d'autre qui passe, puisqu'après, il faudra qu'on trie le reste, quoi. Donc, ici, non, ici, il y a l'aluminium. Donc, dans le bleu, on met l'aluminium. Et dans le bleu, ici, on met le ferrous et le quicksilver. Voilà. Ensuite, on peut les reposer. Hop et hop. Et tac. Donc si bon, on va juste je vais juste vous montrer, on va mettre le cinnabar en premier, hop. Par exemple là, je vous montre juste et on active ça et vous allez voir comment normalement, si j'ai pas fait d'erreur, il va passer. Ensuite après ça on arrête comme ça, au moins on est sûr. Voilà pourquoi ça a tout pris d'un coup et l'or il va bugger normalement, puisqu'il va à nulle part.
Pourquoi je les récupère? Ah d'accord, là c'est normal, l'or je l'ai récupéré, c'est tout à fait normal. Par contre, pas le cinnabar. Est-ce qu'il a suivi ou pas? Je crois pas. Pourquoi? On va recommencer l'expérience. Qui est là. Hop. Non mais juste un là et tous les autres on va les mettre là. Hop. Allez. Tire. Voilà. Comme ceci. Donc ici il doit passer sur le. Ah voilà pourquoi. Il faut que je le mette sur le blanc. J'avais oublié. Peut-être qu'on m'écrivait ça dans les commentaires. Je l'ai oublié. Ici il faut tous que je les remette. Alors. Hop. Ferrous, aluminium et lead sur le blanc. Ça risque d'être. En fait, non, attendez, on va pas faire ça comme ça au moins. C'est. Bon, le charbon, on pourra se démerder avec quoi, c'est pas bien grave. Donc, on va pouvoir remettre le cinnabar pour la troisième fois. Qu'il est là. Il est là, le petit. Hop, allez. Ça, au moins. Je vous montre ça pour ce premier épisode, enfin ce premier épisode niveau concernant le triage. Et la prochaine fois, je pense que j'aurai presque fini. Je vous expliquerai tout ce que j'aurais fait par la suite. Et on pourra peut-être voir aussi pour l'extracteur, ce qui est vraiment facile puisque c'est à peu près dans le même sens. Après, c'est juste le chenille un peu pour tout ce qui est. Qui est triage et tout parce que certaines personnes certains trucs doivent se croiser et tout, mais on peut aussi faire juste pour vous montrer, hop, des pipes en iron comme ceci, et ça sert à attendez, normalement elle devrait être là d'abord, je crois qu'il doit descendre par ici, on devrait l'attendre par ici, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas ce qu'il glandouille et. Où est-ce qu'il est? Il est quand même pas giclé. Je l'ai pas récupéré. Où est-il passé? Il peut pas aller ailleurs que là en fait. Peut-être qu'il est déjà reparti. Elle est là. Ah bah voilà, il est déjà là. En fait, c'est super rapide. Oula. Ouais, donc je crois que j'ai déjà tout fait. Et donc les iron, ça sert à que tous les items rentrent et qu'ils sortent qu'à un endroit. Donc il n'y a pas besoin de triage, c'est pas comme les diamants, mais c'est tout. Rentre et va à une sortie et vous verrez qu'il y a une couleur qui est plus enfin un côté qui est plus clair que l'autre, et pour changer l'emplacement de l'endroit qui sort, vous devez faire une wrench comme ceci. Et voilà, donc notre petit couleur devrait rentrer là-dedans. Vous voyez là, magnifique. Allez, petit, rentre. Ah, voilà, magnifique, ça a marché. Donc pour l'instant je vais déjà faire le triage, je vais enlever tout ça, ça je peux laisser, et je peux récupérer ça. Voilà, comme ça on va pouvoir faire tourner un peu. Comme ça va un peu, un tout petit peu avancer. Donc on va mettre l'aluminium, le ferrous, comme ça va déjà faire ce qu'on a ici, et encore le cinnabar. Voilà, hop, tac 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 et tac. Et on peut lancer la machine. Bon, on va juste regarder ça vite fait. Je voulais juste aussi mettre. On va mettre ça ici et assez vite. Hop. Et ensuite, on peut aussi en mettre un ici. Ça accélère à peu près tout. Non, ça faut pas. Et encore, non, là-haut, ça. Voilà, vous voyez comme ça va vite. Et là, normalement, il devrait être déjà là. Déjà cuit. Wow, c'est super vite là. Grâce à l'induction furnace, c'est super rapide quoi. Vous voyez ça? Ils vont où? Mince, 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 mince. D'accord. Mince, mince, mince. Faut que je me dépêche de tout récupérer là. Dans le bleu, tout doit aller dans le bleu, dans le bleu, dans le bleu. Aïe, 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 aïe. La petite erreur. J'avais complètement oublié celui-là. Donc on attend que les autres arrivent pour pouvoir les récupérer. Pour quand même enlever ça comme ça. Enfin, les récupérer direct. Donc je sais pas s'il y a un truc qui doit arriver. Non, non, non. Il y a quoi qui arrive là? Il devrait y avoir quelque chose qui arrive.
La tour de l'aluminium. Ah, toujours de l'aluminium. Ok. Un peu lent. Bon, on va pouvoir le faire vite fait à la main. Ça, moi. C'est vite fait. C'est plus vite fait. Hop. Donc c'est dans le bleu. Hop, il faut les mettre. Tac. Peut-être que la prochaine fois, bah ouais, j'aurais déjà tout fait. C'est ce qui ça m'étonnerait que j'ai pas fait quoi. Mais peut-être que je ferai des trucs un peu différents avec vous. Mais sinon, faut que j'avance. Sinon, on avancera jamais. Parce que là, voilà, je vous explique un peu comment ça marche. Et après, c'est que de la logique. Hein. Si vous arrivez un peu à comprendre comment ça marche, ça sort et tout, ça devient plus que de la logique pure et dure. Voilà. Et sinon, je pourrais juste vous montrer un tout petit truc. Les barrels, on peut se faire juste une extra dimensionnelle. Ok, ça a complètement changé. On va pas se la faire maintenant. J'avais pas regardé ça, mais ça a complètement changé. Enfin, ça a juste changé une matière. Ça sert juste à augmenter de. Passer de 64 sacs à 1028, je crois. En fait, c'est pas important pour l'instant, puisqu'on n'est pas encore. Ah là, on est à 46 stacks là, 8, ok. Bon bah c'est pas grave, hein. On fera ça par la suite, dès qu'on aura plus de place dans nos barrels. Barrel, barrel. Bon allez, je crois que je vous ai à peu près expliqué la base des triages de coffres venant d'une quarry. Faut encore que je la retrouve, la quarry du reste. Et bah je peux vous laisser... Je peux vous laisser vous débrouiller tout seul et essayer d'être un peu logique en attendant le prochain épisode. Ça devrait pas être trop difficile et au pire, ben vous attendez et vous pourrez copier ce que j'aurais fait. Allez, profitez bien et à la prochaine. Allez, bye bye.